que je peux être maladroite. Pas de panique, chère Odile. Je vous rapporte ça tout de suite. Votre mouchoir, madame la directrice. Vous êtes un vrai gentleman, Hippolyte. Tout le plaisir était pour moi. Ce qu'ils peuvent être mignons, alors, ces deux-là. Bonjour, les enfants. Quelle belle journée, vous ne trouvez pas? Tout ça pour un mouchoir? Bah oui, c'est ça l'amour. Comme nous avec DJ Roméo. Moi, mon histoire d'amour, c'est avec les poèmes. Y'a rien de plus beau au monde. N'importe quoi. Moi et mon skate, ça c'est une vraie histoire. Ouais, et Matt, il aime bien Annette. Quoi, moi? Pas du tout. Non, je la trouve sympa, c'est tout. Et toi, Malik, t'as déjà été amoureux? Ben non. C'est normal, c'est parce qu'il était trop petit. Mais c'est pas une raison, j'aimerais savoir ce que ça fait moi aussi. C'est comme si t'étais sur un petit nuage. Ou comme si tu mangeais la meilleure glace du monde. Ou comme si tu câlinais le plus doux des doudous. Ou comme si tu faisais du skate sur une rampe de 10 km de haut. Ça a l'air trop bien d'être amoureux. Carrément. Pas vrai, Matt? Matt et Annette. Moi aussi j'ai envie de manger une glace sur une rampe de 10 km de haut en serrant un gros doudou. Flapacha, j'ai besoin de votre aide. Vous êtes grand. Vous devez tout connaître, surtout. Vous pourriez me dire où je peux trouver de l'amour? C'est quoi ce truc? Flapacha m'a carrément donné un détecteur d'amour. Et il a l'air d'avoir plein d'options. Alors c'est ça l'amour? Ça ressemble pas du tout à ce que m'ont dit les autres. Reviens! Bonjour, Malik. Quelle belle journée, tu ne trouves pas? Odile, je vous ai préparé vos gâteaux préférés. C'est gentil, hein? Mais je ne vous ai rien demandé. Au revoir, Hippolyte. Et maintenant, Odile n'aime plus du tout Hippolyte. Je savais que j'aurais dû faire des crêpes. Faut vite que je retrouve cet oiseau. Matt et Annette, Matt et Annette. Non, non, non et non. Je ne veux pas de crêpes non plus. Mais elle est à la crème de courgette. Goûtez au moins un petit bout. Et arrêtez de me suivre, hein. C'est agaçant à la fin. J'ai jamais vu Odile refuser une crêpe. Surtout à la crème de courgette, c'est celle qu'elle préfère. Ça veut dire que c'est grave. Laissez faire le spécialiste. C'est une mission pour la brigade de l'amour. C'est pour qui les bons gâteaux? Tu veux me dire un truc? Mais parle-moi vite. J'ai rien compris. Mais quelque chose me dit que c'était hyper important. Plus personne ne bouge.
rouge. C'est la brigade de l'amour. Alors, quelqu'un a un vilain bobo à son petit cœur? Oui, c'est moi. Ça va aller mieux maintenant qu'on est là. On va vous aider avec Odile. On commence quand? Tout de suite. Oh, les enfants, c'est vraiment adorable. Mais il n'y a que deux couverts. Oh, c'est encore vous. J'espère qu'il n'y aura pas de crêpes au menu. Vous êtes vraiment en beauté ce soir, chère Odile. Cette petite veste vous va ravir. C'est le même que ce matin. Essayez-vous de me dire que je ne suis pas assez bien habillée? Oh non, non, pas du tout. Oh, arrêtez avec votre ton mielleux. C'est insupportable, hein? À plus tard, Odile. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire tout à l'heure? Bon, bah il reste plus qu'à ralentir tout ça. Oh. Odile, vos yeux sont comme... Comme deux grands lacs dont la surface scintille sous les étoiles. Comme deux grandes flaques dont la menace fourmille sous les poils. Je vous demande pardon. Vous êtes fraîche et innocente comme l'agneau qui vient de naître. Vous êtes rêche et corpulente comme le veau qui vient de paître. Oh, mais quelle mufle! J'en ai assez entendu. Adieu. Je sais ce qu'il me reste à faire. Me retirer de ce camp pour toujours. Adieu, les enfants. Bravo, les spécialistes. Oh, ça va, je rigolais. Voyons voir ce que tu essayais de me dire. Hippolyte. Oh, Hippolyte, où êtes-vous, Hippolyte? C'est bizarre. C'est comme si Odile avait été complètement vidée de son amour pour Hippolyte. C'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est de ma faute. Bravo, le spécialiste! Oh, ça va, je rigolais. Papa! Oh, j'aurais jamais pensé que l'amour ressemblait à un petit oiseau. Il faut juste qu'il retourne dans le cœur d'Odile et toute l'histoire sera réglée. C'est pas aussi simple. Il vole beaucoup trop vite pour qu'on l'attrape. Comment on va faire alors? Je crois que j'ai une idée, mais je vais avoir besoin de vous. Hippolyte. Odile. Hein? Ramenez-moi tout de suite dans mon arbre. Eh oh! C'est lui que tu cherches. Ça marche. Mais où vous m'emmenez comme ça? Ici, bougez pas, hein. On a une petite surprise pour vous. Oh non, j'espère qu'ils ne vont pas chercher l'autre en douille. Mais ils me foncent dessus. À moi vite. Allez-y, Hippolyte, ouvrez votre cœur. Odile, il faut que je vous dise, je vous aime. Hippolyte, vous n'avez rien?
madame la directrice. Vous n'êtes plus fâchée? Qu'est-ce que vous racontez? Et puis, remettez votre chapeau. Vous allez prendre froid comme ça. Et si nous allions déguster une de vos délicieuses crêpes à la crème de courgette? Youhou! Dis donc, t'es un vrai petit cupidon. Ouais. En tout cas, je suis plus trop pressée de savoir ce que ça fait d'être amoureux. Pour quelqu'un qui n'y connaît rien, tu te débrouilles pas si mal. Merci, Lisa. Un amoureux en détresse. Ça, c'est encore une mission pour...